Ok. Salut Olivier, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, ensuite nous expliquer où on est aujourd'hui au Fab Mec? Très bien. Donc moi je suis Olivier Darien et je m'occupe donc de la gestion du Fab Mec au quotidien, d'accueillir les utilisateurs, de les accompagner sur leurs projets, de les conseiller et de les former aussi, qui représente une part importante de mon travail. J'ai une formation d'ingénieur avec une certaine culture du design via notamment un master spécialisé que j'ai fait à l'ENSI il y a 2 ans de ça. Je suis arrivé ici au début du projet, donc en avril 2014, et on a ouvert il y a 1 an, pratiquement jour pour jour aujourd'hui. Le Fab Mec, c'est un atelier de fabrication numérique à destination des professionnels. Donc on travaille essentiellement avec des entreprises qui vont du particulier qui souhaite monter sa start-up jusqu'aux grands groupes comme Airbus, Daher, potentiellement aussi avec La Poste, on est en discussion avec eux. Donc on balaye toutes les tailles de structure, tous les secteurs aussi, avec un objectif qui est commun à chaque fois, qui est de les accompagner des phases d'idéation jusqu'à des phases de concrétisation, de matérialisation de leurs projets qui peuvent se faire via des maquettes ou des prototypes. On travaille aussi avec des chercheurs, puisque le projet du Fab Mec est porté par un institut de recherche. Donc on a des gens qui travaillent dans la recherche, que ce soit en robotique, en matériaux, mais aussi des gens qui proviennent du domaine du biomédical. Donc on reste aussi très ouvert sur les secteurs de recherche avec qui on travaille. Et puis en dernier lieu, les étudiants du secondaire, les étudiants qui proviennent des écoles de design, d'ingénieurs et potentiellement d'autres profils de formation. Super. Et donc question suivante, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait au Fab Mec ? Alors, ce qu'on y fait, ça reste très 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 large, mais je vais essayer de synthétiser au maximum. L'idée, c'est vraiment, lorsqu'on a une idée ou une bribe d'idée, de pouvoir la structurer, la formaliser. Donc, quand on a un concept, de venir ici pour fabriquer le modèle, pour concevoir le modèle numérique avec les outils, notamment logiciels dont on dispose, pour pouvoir le fabriquer à l'aide de machines qui vont de la fraiseuse numérique à l'impression 3D en passant par la découpe laser et puis tous les outils d'électroportatif qu'on utilise classiquement dans un atelier. Et en fait, cette matérialisation-là, elle permet à la fois dans des étapes de conception, d'échanger, de se rendre compte physiquement de ce qui marche, ce qui ne marche pas et de ce qu'on pourrait améliorer. Et puis, on va poursuivre ce processus, notamment par itération, jusqu'à arriver à un dispositif final qu'on peut qualifier de prototype et qui servira potentiellement à l'industrialisation du produit. Donc, nous, ce qu'on apporte, ce que les gens viennent chercher au Fab Mec, c'est des compétences, c'est des équipements, un accompagnement et puis un réseau, puisqu'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve des profils très variés avec des expériences et des savoir-faire aussi variés que le type de le nombre de projets qu'on peut traiter ici. Merci beaucoup. Dire là.